Donc la Samsung Wave, c'est notre nouveau produit sur OS BADA. Alors BADA, qu'est-ce que c'est? C'est un OS qui est maîtrisé à 100% par Samsung, sur lequel on va trouver Samsung Apps. Samsung Apps, c'est notre application store, sur lequel on aura plus de 1600 applications fin d'année. C'est 50% gratuit, 50% payante. Donc ça, c'est la première particularité. Seconde chose, Social Hub. Social Hub, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir directement l'ensemble de ces boîtes mail unifiées à un seul endroit. Je m'explique, par exemple, je vais aller sur mes contacts. Typiquement, je vais retrouver directement l'ensemble des messageries, un Facebook, un Exchange, etc. Toutes les informations d'un contact sont réunies sur la même page. Exactement, ouais. Toutes les fiches contacts sont centralisées, exactement au même endroit. En termes de technique, on est sur un écran Super AMOLED, donc écran ultra lumineux. Au niveau de la définition, les noirs sont vraiment noirs, ouais. Et les couleurs sont ultra lumineuses. C'est des écrans qui consomment beaucoup moins parce qu'on éclaire uniquement les couleurs et pas les noirs. C'est vraiment super important. Et on fabrique ces écrans. C'est quoi la résolution de l'écran? Du 800 par 480. D'accord. Donc voilà en termes de résolution. Quelle taille? 3,3. En termes de processeur, on est sur du 1 GHz. Juste pour vous illustrer tout ça, vous montrer la qualité vidéo. Donc c'est le, par exemple le Snapdragon, tout ça? Non, c'est un processeur propriétaire. D'accord. Voilà la qualité d'un film notamment. Alors, j'avance volontairement, je vous montre la qualité et le fait qu'il n'y ait pas de latence, ça LAN pas. C'est une vidéo de combien de temps? C'est 12 minutes. D'accord. C'est la même chose sur un film. Il lit les DivX de tous les formats. D'accord. Donc nativement, tous les DivX sont lus. Oui, ouais, tous les formats. Ouais. Si je fais un découpage directement du film, eh ben, je me crée des chapitres comme sur un DVD. Ah ouais, et je repars sur. Donc il y a une création de chapitres automatique tous les. Automatique, ouais. Exactement. En fonction de la durée du film, il est découpé en séquences. En 10 parties. Et... D'accord. Okay. La qualité est vraiment pas mal. La qualité est vraiment super. Un film, l'avantage du AMOLED, on le voit clairement. Quoi. Au niveau des images, je vais vous montrer, notammment, on est sur un produit donc 5 mégas en photo, flash Xenon. Flash Xenon. D'accord. Il filme en 720p. Hein. D'accord. Évidemment, c'est un multipoint. D'accord, donc c'est du capacitif multipoint. D'accord. C'est une photo qu'on a prise tout à l'heure. Et puis en clair, vraiment en termes de fluidité, il nous l'a présenté, mais bon, je trouve ça un peu plus. En termes de fluidité, on a vraiment une fluidité qui est vraiment super sympa. Ouais, clairement. Les applications que je peux rajouter ici. Alors là, je suis en multitâche, donc je reviens sur le jeu sur lequel j'étais précédemment. D'accord, donc tout ce qu'on a fait là, la lecture du film, etc., ouais. C'est avec un jeu qui était en pause, en arrière-plan. D'accord. Okay. On peut avoir un nombre illimité d'applications en arrière-plan. Alors, normalement, jusqu'à 7 applications en même temps. Jusqu'à 7 applications, d'accord. Et est-ce qu'il y a un système comme sous Android qui coupe les applications lorsque ce n'est pas utilisé ou c'est. Non, on peut vraiment passer. Alors en fait, on va les fermer en faisant un appuyant ici. On peut les gérer manuellement comme voilà. Sur certains autres OS. Là, je peux fermer directement la musique parce que je n'utilise pas. Hop. Ouais. D'accord. D'accord. Au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, c'est 2500 mAh. D'accord. La coque est en métal. Coque en métal. Traitement de l'écran en verre trempé et anti-marque des doigts. Ah, il y a un gros progrès par rapport au. Antirayure aussi, ouais. D'accord. Antirayure et surtout en anti-marque des doigts. Un gros progrès par rapport au Galaxy Pika, par exemple. Ouais, tout le monde l'a touché et il est moins sale. Il y a pas mal, mais là, il y a un Pika, oui, mais. Ouais. Et puis l'écran, je parlais de Super AMOLED tout à l'heure, on voit l'écran qui est complètement noir. Si on compare une technologie LCD, là, on voit un nombre d'écran. Ah, ouais, clairement. D'accord, pas très épais. D'accord. Et donc il sera disponible quand? Il est déjà disponible chez OpenHouse. Il arrive la sortie officielle le 23 juin. D'accord, donc le 23 juin disponible chez les opérateurs et en bureau. D'accord. Ok, pour un prix approximatif de... Pour un prix de moins de 400 euros. Moins de 400 euros. Normalement, ce sera en fonction des opérateurs. D'accord, ok. Ok, bah merci beaucoup.